Choc FM 105.1, la voix des francophones à Toronto. Ah, bonjour Maki. Oui, ça va. Ah ouais, ça va, merci. Est-ce que tu as besoin d'aide? Je vois que tu fais les trucs là pour les vidéos sur le site, etc. Tu veux que je t'aide? Non, mais ça va, c'est bon, tu sais, Raki, ça fait un moment que je travaille ici quand même. Donc je connais, tu vois, je maîtrise. Puis avec mon équipe, on est des professionnels. Hein? Ok. Ouais, non, c'est juste au cas où, parce que tu vois, si tu veux que je te montre un petit peu comment ça fonctionne. Non, mais ça va, merci Raki. Ouais. Je maîtrise, hein? Je sais de quoi je suis en train de faire là, je sais de quoi je parle, d'accord? Ok. Bah, en tout cas, je suis là, quoi, si t'as besoin d'aide. Voilà, c'est ça. Merci Raki. C'est bon là, elle m'énerve. L'animatrice vedette de Choc FM, on le sait là, qu'elle anime tous les matins 2 heures de direct. C'est bon, on sait que c'est elle. Raki Touré, l'animatrice vedette. C'était juste un petit truc, oui. Par contre, si tu parles, il faut que tu éteignes ton micro parce que là on t'entend en monde. Donc, je t'éteins. Ah, d'accord. Bah, merci Raki, ouais, c'est ouais. Sympa. Ouais. Merci. Choc FM 105.1, la voix des francophones à Toronto. Ça va Lisa, je te dérange, tu passes? Ouais un peu. Ouais non mais alors attends, j'ai une super idée pour la programmation musicale. Parce que je sais que tu fais la programmation musicale. Oui. Moi, justement. Moi je me suis dit, il y a un super truc à faire, c'est à chaque fois que tu lances une chanson, tu fais la programmation musicale. Ouais, enfin musicale. Là justement je suis en train d'essayer de la faire, si tu veux bien me laisser D'accord, la mais on s'en reparle. Un email, envoie un email. Choc FM 105.1, la voix des francophones à Toronto. Mais qu'est-ce qui se passe? T'as touché quoi? Non, rien, rien du tout. Je pense que c'est Lisa là qui a dû faire une gourde. Choc FM 105.1, la voix des francophones à Toronto.